Ça fait combien de temps ça? 3 millions de jours? Yo les gens, c'est Bugs, j'espère que vous allez bien. Simple vlog aujourd'hui. On va parler d'ordre de grandeur, un peu de millions et tout. Je suis retombé sur une info d'il y a 3-4 ans où en fait tout le monde en parle, l'émission, ils avaient pris 3 millions d'euros d'amende. Pour un truc jugé homophobe, un espèce de canular, ils affichaient des gens qui étaient homo, enfin bref. Mentalité un peu chelou, mais bon, ils avaient pris donc 3 millions d'amende. Et moi, en voyant ça, je me dis, putain, 3 millions, c'est beaucoup et tout. Et déjà, pourquoi c'est pas le genre d'info qu'on entend partout, quoi. Une des émissions les plus regardées des Français qui prend une amende de 3 millions d'euros, ça devrait être en première page, quoi, mais bon, c'est pas le cas. Et du coup, 3 millions d'euros, je me dis, c'est énorme. Et en fait, je me dis, c'est énorme, et puis d'un coup, je me dis, j'en sais rien. Je me rends pas compte, parce que c'est pas le genre d'ordre de grandeur qu'on manipule souvent, tu vois. On donne pas souvent, on reçoit pas souvent 3 millions d'euros, nous. Quand on a une amende, c'est pas le même genre d'ampleur, tu vois. Et du coup, un truc pas mal pour gérer les ordres de grandeur, c'est d'utiliser d'autres unités sur lesquelles on a des points de repère. Et du coup, je me suis dit, 3 millions de jours, par exemple. Ça fait combien de temps? Comme ça permet de réaliser un petit peu, tu vois. T'imagines qu'ils payent 1 € par jour d'amende, et combien de temps ça va leur prendre pour payer cette amende-là, tu vois? Eh ben, 3 millions de jours, mon ami, ça fait 8213 ans et demi. 8000 ans. Plus de 8000 ans. Donc, s'ils payaient 1 € par jour, ça leur prendrait 8000 ans pour payer. Et je trouve qu'on se rend mieux compte déjà de ce que ça représente 3 millions d'euros en se disant que 3 millions de jours, c'est 8200 ans à peu près. Donc si tu attribues la valeur de 1 € par jour, eh ben, ça te prendra plus de 8000 ans avant d'atteindre 3 millions d'euros. Donc voilà, ça permet un peu de mieux appréhender le truc. Mais surtout, bon bref, voilà, ils ont eu cette amende-là, ils ont dû la payer depuis ou j'en sais rien quoi. Mais moi, ça me fait réfléchir sur un truc, c'est sur le genre de masse de monnaie que ces émissions, que la télé, etc. brassent en fait. Parce que s'ils ont eu 3 millions d'euros d'amende, ça veut dire qu'ils brassent beaucoup plus, en fait. Et c'est des trucs qui, pour moi, sont inhumains, qui n'ont pas vraiment de sens, qui, je trouve, démesurés, voilà, pour être plus précis. Et je me demandais un petit peu ce que vous pensiez de ça. Parce que c'est pas des trucs auxquels on pense souvent, quoi. Même, bon, moi, j'ai plus la télé depuis des années, mais même quelqu'un qui regarde la télé, on se demande pas, pendant qu'on regarde la télé, combien ça a coûté de faire ce programme ou... c'est quoi la rentabilité des pubs qu'il y a entre deux programmes, etc. Donc je sais pas ce que vous pensez, vous, de tout ça. Dites-le moi en commentaire. Moi, je trouve ça intéressant de rendre le truc un petit peu plus palpable, on va dire. Donc 3 millions de jours, ça fait 8200 ans. C'est ça qu'il faut retenir quand on pense à des millions d'euros. Donc quand vous entendez parler de millions d'euros, bah déjà, ça vous donne un petit outil pour se rendre compte de ce que ça représente. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre la petite cloche, de lâcher un commentaire ou un pouce en l'air. Ça améliore le référencement, ça fait plaisir, ça fait avancer les bails. Abonnez-vous à mon Instagram et on se retrouve demain pour une autre vidéo. Peace.